Ah, madar jeu et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Prototype 2. Donc on se retrouve là, presque où je vous avais laissé, hein, si ce n'est à peine quelques mètres plus loin. Donc voilà. Donc on va retrouver Sabrina Galloway, du coup, qui a quelque chose à nous parler d'un projet Firehawk. Firehawk. Vous en avez pris du temps. J'ai failli pas venir. Mais quel ingrat! Vous voulez quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Ma protection? Un moyen de sortir du gouffre? Le Blackwatch prépare une nouvelle opération. C'est du lourd. Votre cible est le commandant Contrail. Ok. Continuez de les espionner pour en savoir plus. Quoi? J'ai déjà pris assez de risques. Vous ne pouvez pas me demander ça. C'est du suicide. Je demandais pas. Mako 3-3, ici le commandant Contrail. On a besoin de blindés supplémentaires à la base India 7-9. Bien reçu. Je vous envoie immédiatement l'unité Oscar 5, Charlie. Je veux un bouclage complet tant que les préparatifs de Firehawk ne sont pas terminés. Personne n'entre ni ne sort. Tu peux verrouiller toutes les portes et éteindre toutes les lumières qu'entre elles. T'arriveras pas à protéger ses plans. Ça se présente mal. Je vois pas comment obliger Contrail à quitter sa forteresse. Vous êtes un soldat, non? Vous allez bien trouver une solution. Je pourrais mettre le feu. Leur protocole de sécurité devrait annuler le verrouillage. Un bon vieux feu de camp. Vous n'êtes pas allé chercher cette idée bien loin, rassurez-moi. Connasse. L'amour fou entre les deux. Ah bah c'est sympa. Il faut des armes qui peuvent... Du style lance-grenade. Ils ont pas dans le truc pour entreposer les armes. Utilisez mes coordonnées. Les gars ont serré la localité. Intervention en cours. C'est bien notre cible. Allez, on va régler. La cible principale vise nos installations. Tirez pour tuer. Corporel, ici Contrail. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Je vois des incendies de tous les côtés. L'ennemi essaie de nous obliger à lever le verrouillage. Alors arrêtez-le, Copperhead. Nous devons finaliser ces préparatifs. Checkmate, ici Copperhead. Le commandant Contrail n'est plus en sécurité, à vous. Merde, on doit le sortir de là. Il en sait trop pour tomber aux mains de l'ennemi. On va pas s'enfuir comme des lavettes, colonel. Mes hommes peuvent s'en charger. Alors chargez-vous-en, commandant. C'est tellement fragile par rapport à moi. Ah si. Très bientôt en sécurité.
attaqués par des rapaces. Envoyez de l'aide. On va s'écraser. M'aider, m'aider. On va s'écraser. Ici Cantrell. Catapulte 4-4 s'est écrasé. Le pilote est mort et sa grouille infectée. Envoyez-moi une équipe de secours. Et l'heure. Si Cantrell se fait tuer, on ne saura jamais ce qu'il préparait. Bougez-vous. Ça va, j'arrive. Il va pas mourir. Ça. Red Crown, je suis au milieu d'une zone affaissée. Venez me chercher. Catapulte 4-4, ici Red Crown. Une équipe de secours est en route pour vous récupérer. Ici Red Crown, vous subissez des dégâts, quelle est la situation? Des dégâts, sans blague! Envoyez-nous des renforts, pauvre con! Seulement de m'approcher.
Crown, ici Ballista 4-2. On est arrivé sur le site du crash. La cible principale est sur les lieux. Je répète, la cible principale est sur les lieux. À vous. Ah, voilà qui facilite les choses. Approchez, il y en aura pour tout le monde. Avez-vous obtenu la carte des vents? Oui, je l'ai reçue ce matin avec le dernier chargement de rations. Donc? Eh bien, lorsque le continent sera saturé, l'excédent devrait dériver vers la mer. Les pertes? Environ 1,5 million de non-contaminés, mais les infectés devraient être éradiqués. C'est acceptable. Allez-y. Un million et demi. Les salopards. Qu'est-ce qu'ils préparent? Castle, ici Checkmate. Rentrez à la base au plus vite. Bien reçu, Checkmate. J'arrive. Demande ce qu'il veut. Faire le backnet. Lieutenant Garrison Pugh, nouvelle recrue et pilote du Black Watch. Sérieux, cette dame à Mercer, c'est un vrai morpion. On croit s'en être débarrassé, mais elle réapparaît toujours ailleurs. Et ces nouveaux renseignements, vous pensez qu'ils nous permettront de la localiser? Ouais, ça va nous aider. Il y a des moments où elle dort, non? Opération court-circuit. Hélico Crossbow, ici Crossbow Leader. Je vous transmets les dernières coordonnées de 4-3. Récupérez la cargaison. Ce matériel devrait nous permettre de localiser Dana Mercer. Allez! Oh non! James, vous avez entendu? Du calme, je m'en occupe. Hmm.
charme, de toute façon. Truc de Mercer et de César. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Redcrown, ici Rattler 5. On a la cible en visuel. On passe à l'attaque. À vous. Bien reçu, Rattler 5. Engagez le combat. Alors, vite! T'inquiète pas. Pour toi, j'ai amélioré les capacités de déplacement. Par la garde, toi. C'est bordélique. Voilà, je vous ai lâché. Vous avez plus rien à craindre. Vous m'avez encore sauvé. Merci. Ça veut pas dire que je suis amoureux, ok? Redcrown, ici Rattler 5. Je dois vous signifier que la cible prioritaire nous a échappé. À vous. Reçu, Rattler 5. Rentrez à la base pour débriefing. Ça marche, Redcrown. Docteur Alexander Murray, rétrovirologue chez Gentech depuis 7 ans. Tu parles. Encore un sadique à tous les coups. Parce que je voulais. Mais bon. Crossbow 3-1 ici
ici Crossbow. Il faut évacuer les trois VIP de Gentech au plus vite. Ils sont dans trois zones différentes. On vous envoie les coordonnées. À vous. Bien reçu, Crossbow. Je décolle dès que j'ai fini de faire le plein. Terminé. Dana, vous avez entendu? Je crois que je vais détourner un de ces hélicos, histoire de voir ce que préparent ces huiles. Tout à fait. Je viens de vous envoyer les coordonnées de cet hélico. Bonne chasse, Crossbow 3-1. Projet New Templar. C'est un groupe de réfection, mais je n'arrive pas à trouver d'autres infos sur eux. Ok, j'essaierai de rester poli alors. J'aurais préféré des trucs à tête chercheuse. Le problème des rapaces, c'est qu'ils sont kamikazes.
rapide. Plutôt. Alors. Sans le vouloir, j'ai lancé du coup. Horizon lointain. D'accord. Ok. Donc c'est en gros les... la mission numéro 11 que j'avais entamée pour aider Dana. Ok. En tout cas, il manquait pas d'imagination pour nous baratiner. Certes, c'était pourri, mais... c'est dingue à quel point l'instinct de vouloir rester en vie est capable de faire.
putain, non, mais sérieusement, du velcro, quoi. Quand c'est vraiment que j'allais croire ce genre de conneries. Ah non, mais oh, sérieusement. Il nous parle de contrôler les naissances des personnes venant de issues de l'immigration, tout ça, du coup. Et des classes populaires. Et après, il me parle de velcro. Sergent Vernon McNabb, conducteur de blindé et ceinture marron de Jiu-Jitsu. Je tremble de peur. Et j'adore la VF de LR. Commandant de char de la compagnie Mako. Je vous transmets ses coordonnées. Je vais m'occuper de cette raclure. Bien, je m'entraînais l'arme. Te tiens. Évidemment. Qui tient vraiment à ces humains? Et c'est reparti. Tu sais ce que t'es? Un gaspillage de ressources, voilà ce que t'es. Décidément, ma sœur recrute n'importe qui. Je ferai empailler ta tête et je la mettrai au-dessus de ma cheminée. Je me contenterai de te faire décoller ta peau de tes muscles. Non, vraiment, je me contenterai de ça. Le grand méchant est l'heure. Laissez-moi rire. Arrête de courir. Je suis censé avoir peur de toi.
Bah, le problème, c'est que tu cours un petit peu trop. Donc, du coup, je me dis que oui. Ça de l'innovation. Je vais te montrer c'est quoi l'innovation. Connard. Très bien. Oublions la griffe et marteau. Tu gâches l'oxygène et ça nous énerve. Ferme ta gueule, tu gaspilleras ton oxygène. Voilà. La NAS sera tranquille. Enfin, du moins pour l'instant. Alors, bing bang, puissance de biobomb, justice, recharge rapide, vitesse de compétence cataclysme, et j'avais un peu 25. Et voilà. Il n'appellera plus jamais personne. Beau travail, James. Et merci. De rien. Et il est toujours pas amoureux. Alors. J'ai commencé par la 12. Donc autant la finir, je ferai la 10 après ou la prochaine fois, on verra. Kevin Duck. Duke. Kevin Duke, caporal du Black Watch depuis 7 ans. La menuiserie fait partie de ses loisirs. Thank you.
Regardez devant vous, caporal. J'aime pas qu'on me mate comme ça. Gardez-toi sur cette détente, caporal, ou je vous descends moi-même. Donc fuite d'engrenage. Opération, pas la série. Akram, ici Crossbow 2-1. On a acculé un Goliath. Il ne reste plus qu'à le capturer, à vous. Bien reçu, oh, super, Goliath. Préparer l'insertion de l'équipe de Gentech. Terminé. Bien reçu, Akram. Capturer un Goliath. Faut que je vois ça. Akram, ici Holopoint. On a réussi. On a capturé un Goliath. Bien reçu, Holopoint. Surveillez le spécimen jusqu'à l'arrivée de Gentech. Terminé. Chef, ici Crossbow. On voulait vous féliciter pour un super boulot. Terminé. Il est sérieux, capture un Goliath. Attention, il s'allume ! Tirez ! Holopoint, recapturez le Goliath et maîtrisez-le. Terminé. Regardez comment il faut faire. Bonus. Chacun ses priorités. Sérieusement, on commence à me gaver les mecs. Je vais devoir assimiler quelqu'un parce que là ça va pas du tout. C'est comme ça qu'on fait. Forme d'amateur. Bienvenue à Casse-Couille City.
C'est pas cool d'appeler son gamin Elwood. Il y a des parents qui pensent pas à leur gosse. Eh ouais, il y a des parents qui n'aiment pas leur gosse. Que voulez-vous? Va le Elwood. Évidemment. Sauf que les molosses remplaceront les shrapnels. Le Blackwatch verra rien venir. Des frappes stratégiques. L'idée me plaît. Une réserve d'infectés. Bon. Ça fait un moment que je surveille de près les évolués. Autant que je sache, ils utilisent les labos de GenTech pour créer des infectés encore plus forts. Et ensuite, ils les volent pour Mercer. Génial. Ces monstres sont déjà bien assez costauds sans l'aide de Mercer. J'ai récupéré les coordonnées d'un de ces labos. Je vous les envoie. C'est quand on est sur la zone rouge, c'est vrai que les missions en Black Knight sont beaucoup plus finalisées. Je pense que c'est une manière de vouloir rendre le personnage de Dana encore plus présent. Pour permettre de créer une vraie relation entre les personnages, je pense. Si en soi, pas une mauvaise idée. Sur ma position, mettez le paquet. Il faut éliminer la cible. Finissons avec cette opération. Il ne reste plus qu'à éliminer les chouchous de Mercer. Vous avez ce que vous méritez, connard. De l'intercepter.
l'exploration. Trouve pas avec les deux. Putain, sérieux. Allez, lance au moins.
négociation. Voilà. Mon petit soldat. On fait plus de dégâts. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle est longue, elle va être longue du coup. Je vais devoir couper les trajets. Donc voilà. Bref, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour la suite. Je vous dis à la prochaine. Allez, Kenabou.